Pistolet utilise un système de rechargement par emprunt de gaz pour plus de précision et de puissance. Capacité 7 coups. Magnum. Lettre aux membres du Stars. Comment ça se passe au commissariat? Vous tenez le coup face au vieux Irons? Ah oui, c'est le chef. Je reviens tout juste du rencard avec un avion de chat. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé sous son grand parapluie. L'Europe, c'est génial. Un mois ne suffit pas, c'est rien perçu. Je vais peut-être prolonger mes vacances de 6 mois. Barry n'envisage même pas de me rejoindre. Tu vas pas faire une jolie fille. Alors laisse-moi. Jill, si Claire essaie de te contacter, dis-lui que je vais bien. Ah, c'est Chris. C'est encore rouge. Ah la blague. C'est pas le bureau de Rebecca ça? Rebecca Chambers. Brian Irons. C'est quoi ce bruit? Oh! C'est bien le coup des couleurs là. Les douches, il y a le cadenas encore. Okay. C'est franchement bien de l'avoir tué juste devant la porte. À chaque fois ça me fait flipper en fait quand j'ouvre la porte. C'est super, ça c'est intelligent ça. Salon. Salon. Maintenant, je dois vérifier s'il n'y a pas l'autre qui se balade en fait à chaque fois. C'est super. Il est proche. Je me demande s'il m'entend. Non, s'il m'entend. Ça, on va le laisser pour le moment. On a la roue crantée, le grand rouage. Le badge, on le reprend après. Donc, il faut utiliser la clé. On est quasiment fini avec le RPD. Bon, allez, on va combattre un liqueur, c'est super. Putain, je vais m'amuser quoi. Je vais voir si on peut pas le défoncer au shotgun direct. Il est plus là, évidemment. Oh la vache, tu viens d'où, toi?
Je suis en panique, j'ai un zombie à gauche qui arrête pas de me faire chier, j'ai l'autre qui est devant un mur. Et j'entends Mister X qui marche partout. Et en théorie, il y a un liqueur aussi. C'est super. On est top là. Là, là, on est bien là, non? Ah, c'est fini, c'est bien fini avec lui. Mais c'est énorme. C'est énorme. Ah, allez, on prend. On a encore de la place. Non, il est à mon étage. Fais pas gaffe, c'est des travaux. Bon, on a récupéré l'outil. Alors ça, c'est pour la bibliothèque. Je sais pas pourquoi j'ai l'habitude de déplacer les choses comme ça. J'aime bien. On part. Il est derrière moi, il est derrière moi, il est derrière moi. Je crois qu'il vient de sauter. Comment je fais pour le faire partir? Sérieux? C'est un truc de malade. C'est super bien fait.
est au-dessus. Je crois qu'il faut pas courir, faut vraiment pas courir du tout en fait. Non mais c'est super. Alors, quel genre de poison t'aimes? Le liqueur ou le tyran? Choisis ton poison. Marteau ou l'enclume? Putain. Incroyable. Oh, il est là! Faire un pont. J'ai l'impression qu'il va m'apparaître derrière la gueule. Merde, il m'a vu. Chier, il m'a vu. Oh, il était en bas, il m'a regardé droit dans les yeux. C'était abusé. Ah, non. Casse-toi! Putain, mais je vais où? Salle de stockage est. Non, mais non! C'est là qu'il faut aller. Chier. Merde. Il est toujours sur mes traces. Hein. C'est le jeu de du chat et la souris, mais grave. Mais c'est abusé, quoi.
crois qu'il peut me voir d'ici. On va se cacher derrière un pilier quand même. C'était quoi son but primaire? Je me rappelle plus. Le but primaire de ce tyran là. On y va. Je crois qu'il était juste envoyé pour faire des tests en fait. Voir la puissance que ça a, je crois. Ou genre tuer les... ceux qui restent peut-être. J'ai l'impression qu'il devient de plus en plus intelligent. Il arrive à me bloquer partout où je vais. Ah, il est après moi. Bon, on est de retour ici. Alors attends. Oh putain de merde. Alors là, on sort. Ah non! Par contre, il défonce pas les zombies, hein. J'ai l'impression. J'ai pas l'impression qu'il les défonce en fait sur le passage. J'aurais pas dû tirer en fait. Je pensais qu'il allait vite mourir, mais laisse tomber quoi. On a les choix du 3 sur les mes yeux, on pourra faire des trucs pour s'en débarrasser un peu. Quoi? Faire des trucs avec les tentacules? Projet de réparation. Grande valeur culturelle et coche, j'appelle FPI pour les réparations. On verra les détails quand il sera sur place, puis en attendant, je vais sécuriser la cloche pour éviter un accident. Ok, là il faut le... il faut l'engrenage. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut un engrenage et un truc à... à 8 dents. Deux ordres lui ont été donnés. Premièrement, éliminer tous les survivants de la police et deuxième, localiser le G-Virus. Ah, ce tyran-là, il devait aussi récupérer le virus. Poudre noire, grande quantité? C'est quoi ça? Grande quantité de poudre permet de créer deux fois plus de munitions que la poudre noire standard. Cool. J'aime bien les détails qu'ils mettent sur les objets comme ça. Dans... enfin, dans tous les Resident Evil, genre les balles, elles avaient une marque. Genre chaque cartouche était différent. Enfin, pas chaque cartouche, mais chaque type de munition et tout. C'était cool. Ils ont dû l'envoyer en fait quand ils ont plus eu de nouvelles de Hank, parce qu'à la base c'était Hank qui devait
qui devait récupérer le virus G. Ouais, ça aurait du sens en fait. Bon, il faut l'engrenage, d'accord, j'ai compris. Il en faudrait deux. Là aussi. Ouais. Bon, on va voir. Ok. Ok, on est bon, on est bien là, c'est bien. Ok, il a mis des baffes. C'est, je voulais voir juste ça. Oh la vache. Sorte de merde. Non, 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 je suis bloqué. La musique est cool. On est tellement dans la merde. Ok, là. Tu peux pas sprinter plus vite, Léon. Ah, honnêtement. Ah, la vache, j'avais oublié. Toi bien. Non. Non, toi mal. La porte elle se ferme après. Fais chier. Faut aller récupérer le magnum. Merde. Il y a ça aussi à faire. Let's go. Ah mais c'est vraiment chiant avec lui hein. Dans les parages. On va déjà faire le magnum. C'est par là-bas. Ah, t'as sa gueule. C'est la merde, eh. C'est bon, c'est bleu. Allez, go. Alors maintenant, faudrait aller utiliser la clé. Comme ça, on a fini avec la clé, mais l'autre, il va sûrement nous poursuivre. Ah putain, j'ai l'œil qui part en couille. Thank you.
Alors, par là-bas. Merde, je crois qu'il est à droite. Oh la vache! Combien il faut de cartouches? Merde! Il va me tuer! Y'a Mister X qui ouvre la porte juste à ce moment-là. Au cas où, si j'étais vraiment pas mort, tu vois. C'est juste. Il vient pour être sûr en fait. Quelle saloperie. Ok, on va d'abord faire la. On va d'abord faire la clé alors. C'est la merde. On va refaire. J'ai hésité un peu quand je lui ai mis les 4 cartouches, je me suis dit bon ça va, il est mort là en fait, non. Ah, je suis pas tout pris. Vache, il y a la grenade. Oh la vache! Ouais, c'est cool. Bon. Mais comment tu peux pas le semer en fait? Surtout si t'as pas de vie en fait, c'est ça le pire. Je peux pas aller dans la salle de stockage, il y a un liqueur.
Non, descends. Il est pas loin. Faudrait qu'on aille récupérer le... Le magnum, on l'a pas fait. C'est quoi le magnum déjà? Faut remonter et aller au bureau des stars. Non, on prend pas le grand rouage, pas maintenant. On va prendre un soin peut-être avec nous, je sais pas. C'est là qu'il est dans la salle. Fait chier le coup du zombie qui m'a attrapé là. Il est dans le jaune maintenant, qu'est-ce que... J'ai envie de sauvegarder. Putain de merde! Ah, il monte les échelles! C'est énorme! C'est super, ah, c'est super fun. Ah là on s'amuse. Oh la vache. Résultat des cours. Alors on est dans le jaune, on a une herbe verte, on pourrait se mettre dans le vert, on a 15 balles, on a le magnum avec 3 balles et on a un soin. Putain.
Après, honnêtement, je testerais bien le Magnum sur sa gueule, mais... ça serait du gaspillage, je pense. Ça serait complètement du gaspillage. Qu'est-ce qu'on fait, Choco? On abandonne? Après, j'ai remarqué que il marque les objets sur la map quand on passe à côté, en fait. On n'a pas besoin de les sélectionner. Ça, c'est plutôt cool. On va faire que marcher pour le moment. J'ai remarqué depuis tout à l'heure, je cours un peu beaucoup et j'ai l'impression qu'il est tout le temps sur mes traces. Je voudrais bien récupérer mon couteau, mais... Non, ça sert à rien. Il veut te vendre une assurance, maybe? Ok. Non, mais ça doit être sûrement trop cher. Pour moi. Ok, on a débloqué ça. Comment je vais passer, là, pour... La vache, mais putain! T'es où la salle de sauvegarde en bas? En salle d'attente. Okay. Je crois qu'il est juste là. Escalier de secours, salle de pause. Toi. Je voudrais juste aller à un coffre en fait. De toute façon, il nous faut deux engrenages normalement. Il y en a deux à voir. Donc ça nous sert à rien d'y aller pour le moment. Engrenage, engrenage. Donc on en a qu'un seul, donc c'est pas grave, on s'en fout. Donc faut retourner au sous-sol. Faut retourner en B1. Donc les escaliers ils sont là, c'est ceux-là. Chaufferie, non ça c'est à l'intérieur. Voilà. C'est poste de saisie. Par où on passe? Par l'escalier de secours. Ok cool. Ah.
là. Tu chopes et te montres ce qu'il y a en dessous de son manteau. Bah. Ça pourrait être intéressant. Oh la vache. Récupérer le magnum, maintenant j'ai un trou, je sais même plus si on a récupéré le magnum ou pas. Yes, on a un magnum. On va prendre ce couteau là. On va sauvegarder. C'est quoi, de la lumière ça? En train de me demander, ça serait pas mal de la mettre à la jaune du coup, comme ça ferait beaucoup de cartouches de fusil à pompe, en théorie. J'ai envie de sauvegarder, comme ça on teste. Bon, là on a bien joué, bon à part le fait que le zombie m'ait bouffé. Mais on a bien joué.